Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 12 décembre et je viens d'ouvrir mes calendriers, enfin mon calendrier de l'avant, mais j'avais 2 jours. Et donc je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'avais reçu un courrier. Donc je ne savais pas, j'étais pas au courant. Je sais qu'il y a des choses que je dois recevoir là, que voilà, je le sais, on me l'a dit, mais là, ou à moins que tu me l'aies dit, mais je m'en rappelle peut-être plus. Donc, du coup, c'est de la part de Annelise du 72. Voilà. Et donc, voilà, j'avais ce courrier-là vendredi, je crois, vendredi, ouais, quand je suis rentrée du boulot dans ma boîte aux lettres. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, donc on va l'ouvrir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas ce que tu m'as envoyé. Je ne sais pas du tout. Il y a des fois où on me le dit, il y a des fois bah, c'est surprise. Donc voilà. C'est super gentil à chaque fois. Ça me touche énormément. Mais voilà, à chaque fois où je vous le dis, ça me gêne aussi. Mais voilà, ça fait tellement plaisir que. À qui ça ferait pas plaisir? On peut pas dire que. Voilà. Alors, oh, déjà c'est gros, ça a l'air d'être fait créer. Alors fais attention parce que derrière il y a nos adresses. Donc j'ai pas envie de retourner l'enveloppe. Je vais essayer d'ouvrir comme ça. Alors là, nous avons une enveloppe dans l'enveloppe. Oula. Oula. J'espère que t'as pas fait des folies. Oh, c'est mignon ça. Ça a l'air mignon du moins. Hop, alors j'ai tout retourné à l'envers. Donc comme ça, c'est surprise, on va pas voir. Donc ça, est-ce que c'est déjà. Ah non, c'est une enveloppe. Je pensais. Ah. C'est une petite Lodide. Trop bien. Alors je l'ai vu, c'est. Alors comment elle s'appelle? Elle a fait ce style de Lodi d'enveloppe là et j'ai trouvé son système super sympa. En fait, c'est avec une enveloppe, vous faites une Lodide. Et je la suis en plus, mais je sais jamais comment elle s'appelle. Moi, les prénoms. C'est. Je sais plus. Si je la vois passer là, je vous le dis. Sinon. Non, je ne vais pas la voir là tout de suite. Mais en tout cas, elle a fait ce système de Lodi d'enveloppe comme ça, bah, simple à réaliser, juste avec une grande, une ou deux, je ne sais plus, ou peut-être deux grandes enveloppes comme ça. Et j'avais trouvé le système sympa. Mais donc du coup, ça devait être là. Voilà. Et ça devait être là. Donc vous voyez, ça fait une petite. Ah, mais je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Et je pense que ça devait être là. Oh, ça c'est sympa, la cuillère comme ça avec les fleurs. L'idée, elle est vraiment trop bien. Donc, je pense que ça devait être comme ça. Donc, en fait, elle m'a envoyé une Lodide. Ah, oh, c'est trop gentil, il fallait pas. Comme ceci. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à découvrir à l'intérieur. Par contre, je vois pas la carte. Ah, mais si, ça doit être ça, chenouille. Si, c'est ça, la carte. Et elle a utilisé des kits de chez Action. Vous savez, les paper sets, là. Alors, attends, est-ce que c'est celui-là? Alors, je vois pas lequel c'est parce que je les ai à côté de moi. J'aurais voulu vous montrer, mais je vois pas lequel c'est qu'elle a utilisé. Celui qui fait le plus au tonal, je pense que ça doit être lui. Ouais, je pense que ça doit être lui. Ouais, c'est lui. Puisque là, on a le petit là. Voilà, il a utilisé ce set là pour faire la Lodide. Donc c'est juste au top. Et là, on a une belle petite carte, vous voyez. Elle est sympa et elle l'a mis dans un. Je fais gaffe parce qu'il y a ton adresse derrière la carte. Je peux la montrer à tout le monde. Regardez. Ton ruban là, il est vraiment super sympa. Franchement, ça rend super bien. Le noir comme ça avec le craft, franchement, ça rend super bien. J'adore. C'est trop joli. Oh, c'est gentil. En fait, elle m'envoie une planche de boubou. Voilà. Et elle adore mes vidéos qui sont naturelles, quoi. Et entourée de mes scraps bidules et toutes tes idées qui sortent de je ne sais où. Et après, comme je vous dis souvent, la plupart de ce que je vous fais en tuto, hein, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas le temps
de réfléchir à quelque chose à créer en fait. C'est voilà, j'ai pas le temps de me dire, de me poser et dire voilà, je vais essayer de faire un truc. Non. Après, il y a des trucs, oui, ça vient de moi, mais après, il y a d'autres trucs, non. Voilà, il n'y a pas que moi, hein, de toute façon, toutes les chaînes de scrap que vous voyez, la plupart du temps, les tutos qu'on fait, ça vient d'ailleurs, quoi. Donc, bon. Et après, elle aimerait bien tester les cartes et les mini que je fais, mais elle manque de temps. Bah, bienvenue au club. Comme ça, au moins, bah, je te remercie beaucoup, Annelise. C'est super gentil. Et ouais, le temps, franchement, ça manque énormément. Donc, du coup, c'est parti. J'adore, c'est trop mignon. C'est trop chouette. Alors, bah, du coup, on a la cuillère. Donc, moi, le bois, vous savez que tout ce qui est cuillère en bois, comme ça et tout, j'ai un peu de mal à au toucher. Mais voilà, l'idée est trop, trop sympa. Voilà, de prendre en fait les cuillères en bois. Donc, ça, vous en trouvez à Action aussi, je crois, dans les rayons. Bah, ils ont un rayon spécial maintenant où il y a plein de choses en bois comme ça, genre pour les pique-niques ou des trucs comme ça. Et elle, en fait, elle a collé des petites fleurs comme ça dans la cuillère. Franchement, ça, enfin, moi je trouve que ça rend super bien quoi. C'est une bonne idée. Ça, c'est à garder quoi. C'est une idée à garder. J'aime trop quoi. Donc ça va aller dans mon pot à crayons. Si j'ai encore de la place parce que j'étais entre les crayons et ce que vous m'envoyez, je mets toujours dedans. J'ai des lollipops. Enfin, voilà, c'est bon. Elle passe. Donc, comme ça, elle reste là. J'ai plein de choses enfin, dans mon pot à crayons. Donc du coup, voilà. Oh, c'est cool ça. Alors là, j'ai des petits. Ah, alors, bon, je rappellerai après. J'ai ma mère qui m'appelle, je rappellerai après. Donc là, j'ai des petits, ouais, comme des petits sequins, vous savez. Et en fait, il y a marqué Joyeux Noël. Donc, vous savez, ils existent en joyeux anniversaire, des trucs comme ça. Mais joyeux, c'est ça, hein. Oh, attendez, je suis un peu. J'ai un peu du mal. Voilà, Joyeux Noël. Pff. Moi, je le mettais à l'envers, j'arrivais pas à lire. Mais oui, mais c'est normal, Betty. Voilà, vous voyez, il y a marqué Joyeux Noël. Donc, on les a en rouge et on les a en doré. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Vous voyez, même pour mettre sur une créa ou un truc comme ça. Ou pour faire une shaker card, comme je vous ai montré, vous mettez ça. Ah, je n'avais jamais vu cela. Joyeux Noël. Top. Merci beaucoup. J'en ai plein. Hein. Alors après, j'essaierai d'en mettre, voir sur une créa ce que ça peut donner sur une carte. Après, je sais pas si ça va bien coller. Ça va être la galère pour la coller, à mon avis, parce que c'est tellement petit que. Mais bon, après, je me dis, ça peut être sympa. Alors, déjà, il faut que j'arrive à le mettre voilà, à l'endroit. J'ai un peu de mal. Hein. Aujourd'hui, j'ai du mal. Ouais, c'est cool. Ah, j'aime bien. Mais. J'aime beaucoup. Je te remercie beaucoup. Alors, hop, j'essaie de ranger ça que. Voilà. Et je le ferme surtout parce qu'avec moi. Ensuite, on a. Ah, c'est bien ça aussi. Alors là, on a des stickers autocollants, quoi. Et mais en fait, c'est du houx. Mais alors, c'est transparent. Alors, je vais vous montrer à chaque fois, mais je galère. Aujourd'hui, je galère. Alors. Non, je vais pas y arriver. J'ai pas envie de les abîmer. Donc en fait, c'est du. Alors, je sais pas si vous allez voir parce que c'est transparent. Vous voyez, c'est du houx, mais transparent. Et en fait, pour donner un petit peu de volume à votre carte, vous le collez dessus. Et franchement, ça peut être sympa. Alors, soit il y a une pellicule dessus encore. Je suis en train de faire n'importe quoi, moi. Ouais, d'accord. Non, je vous dis, je suis en boulet aujourd'hui. Vous voyez? Donc là, c'est transparent, quoi. C'est vraiment sympa. Oui, il y avait un papier en plastique de. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Ah, c'est cool ça. J'aime beaucoup. Il faudra que je teste. On va mettre quelque part là, juste pour mettre dans un coin. Voir ce que ça donne. Ensuite, elle m'a fait des petits embellissements maison. Alors là, on a des petites fleurs. Donc je pense que ça doit être avec un dies. Donc on a des petits embellissements comme ceci. Ils sont très mignons. Sont très très jolis, j'aime beaucoup. Ils sont sympas ces dies. Ils sont sympas. Merci beaucoup. Oh. Il est chouette lui. Hein. Et là pareil, on a des petits embellissements et une découpe de dies avec un nichoir. Alors le nichoir, il est carrément trop beau quoi. Regardez. Il est beau. Hein.
Je sais pas comment il est découpé et tout. Hein. Franchement, j'aime trop. C'est trop joli. Là, ça y est, moi, je vous dis, je vois ça, ça me fait penser au printemps. Il me tarde déjà le printemps. Bon, ça y est. J'en ai marre de l'hiver, du froid, etc. Ah, elle m'en a envoyé. Oh, c'est trop bien. Oh. Oh, elle est trop bien, cette découpe. Oh, alors attendez, on va y aller petit à petit. Hein. Alors, on a des découpes comme ceci. Alors, celle-là, je les adore. J'en ai presque plus, mais ça, je les utilise souvent quand ben, je fais du vintage. Voilà, les petites découpes comme ça, là, vous avez sûrement dû en voir déjà passer. Et moi, j'en avais des un peu plus larges. Et ça, je les adore. Donc, je te remercie beaucoup. Ça fait comme des briques, en fait. Vous savez, ouais, des briques. Des briques. J'adore, merci. Là, elle m'a mis ben, justement le petit nichoir là. Oh, c'est trop bien. Donc, elle m'a mis des petits oiseaux et des petits nichoirs comme ceci. Donc, bien sûr, ça sera pas pour maintenant. Hein. Mais voilà, ils sont trop jolis, j'adore. La découpe là, elle est vraiment trop trop jolie du nichoir. J'adore. Je trouve ça trop chouette. Là, on a des nœuds, pareil. Ils sont super jolis. Alors, je ne sais pas si c'est des dice de chez Action ou pas. Je ne sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Parce que des fois, vous me dites, oui, ça vient d'où, etc. Alors, moi, le problème, c'est que quand on m'envoie des choses, je ne sais pas forcément où la personne, elle les a achetées, quoi. Donc, là, voilà, ne me demandez pas. Je ne sais pas du tout, du tout d'où ça vient. Alors, ensuite, on a des nœuds comme ceci. Qui sont très sympas aussi. J'aime beaucoup leur découpe qu'ils ont. Ah, ils sont trop chouettes. J'aime trop. Merci, merci. Et là, on a des découpes. Alors, couleur Noël. Alors là, on a l'air d'avoir des ours. Alors, on a des moufles, des étoiles. Alors, j'ai pas envie d'ouvrir parce que voilà, mais je veux quand même voir les petits oursons pour vous les montrer. Ils ont l'air trop chou. Oh, oui, d'accord. Oh. Alors, vous voyez, on a les chaussettes de Père Noël et tout. Et là, en fait, on a un petit Père Noël avec un petit ourson. Vous voyez? Bon, après, il faut bien le voir, mais... Oh, c'est trop chou. Et là, on a une botte de Père Noël. On a des étoiles, des petits nœuds. Alors, encore une chaussette. Une chaussette, mais blanche, vous voyez? Et là, j'ai le petit nounours avec le Père Noël, mais en rouge, comme ça. Oh, c'est chouette. Ah, j'aime trop. C'est trop choupi, j'adore. J'aime, j'aime, j'aime. Et après, on a aussi des toutes petites moufles, comme ça. C'est trop choupi. Merci beaucoup. Et là, on a des toutes petites moufles comme ceci dedans, là. Toutes les couleurs. Alors, hop, je vous montre. Sympa, ça. Ah, c'est la petite poêle, elles sont chouettes. Ah, c'est sympa, ça, pour mettre juste en petit truc. Au lieu de mettre des petits strass, vous mettez des petites moufles comme ça. Ah, c'est joli comme tout, j'aime beaucoup. Là, je suis en train de réfléchir, en fait, ce que je vais pouvoir faire avec. Et là, on a un nœud. Alors, ça, c'est trop joli. Ah, j'adore. Je sais pas où t'as eu ce dice. Mais je le kiffe vraiment. Magnifique. Vous voyez, ça fait une ligne comme ça, juste avec... C'est trop chouette, quoi. Vous voyez, vous avez votre... Ah, merde. Pardon. Bon, je vais de côté. Donc, vous avez votre carte et là, en papier calque. Oh, c'est magnifique. Et vous faites directement comme ça, là. Vous voyez? C'est trop joli. Ceux-là, franchement, ils sont magnifiques. J'adore aussi. Ils sont trop jolis. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, mais on a fait en couleur vintage. Et je pense que ça, même, on peut le relever un peu comme ça. Le nœud, vous voyez? C'est trop sympa. Je te remercie beaucoup. Tes découpes, elles sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Alors. Je vais essayer de les remettre dedans sans que ça casse. Parce que moi, vous savez que j'arrive.
aller sortir mais jamais aller re-rentrer comme il faut. Non, moi je vais juste faire ça et refermer comme ça. Donc franchement, tu m'as mis des super belles découpes. C'est super. Voilà, super sympa. Et vous voyez, dans ce Toloudide, on en rend pas mal de choses, mine de rien. Juste avec, franchement, ce système de l'audit est vraiment trop sympa. J'aime beaucoup. Et ensuite, nous avons une troisième poche sur le derrière, hop, où nous avons des stickers et où nous avons les petits stickers boubou. Alors là, on a des stickers déjà cupcake emoji. Ils sont sympas. Ça, c'est pareil, vous faites des petites ATC gourmandises. Alors, c'est vrai que j'en fais pas énormément d'ATC. Mais voilà, une petite ATC gourmandise avec ces petits cupcakes là, ils sont super sympas. Alors, après, l'emoji, il n'y en a pas énorme. Hein, parce qu'il y a quoi en emoji? Il y a lui. On a les petits chats là, mais ça passe. Voilà, après, il n'y en a pas énorme, mais ils sont vraiment super sympas. Et ils ont l'air d'être transparents en plus. Ouais, franchement, ils sont chouettes. Je te remercie beaucoup. Et les petits boubous, alors ceux-là je les connais, je les avais déjà reçus et moi j'en avais retrouvé, du coup je les avais repris parce que ben, je me suis dit au cas où, on sait jamais, voilà si je veux les utiliser ou faire un, je sais pas, un album avec Ishka ou il faudrait que j'en fasse un, mais il faudrait que je prenne beaucoup plus de photos, voilà, le problème c'est qu'elle fait que dormir. Et donc du coup c'est des stickers comme ça qu'on trouvait chez Noz à un moment et avec plein de petits boubous dessus, voilà, ils sont trop choux. J'adore. Et là, Ishka, en ce moment, c'est ça. Les têtes dans les paquets et tout. Là, dès qu'on fait un truc ou qu'elle voit un papier cadeau en ce moment, elle fait que ça, quoi. C'est juste énorme, quoi. Je te remercie beaucoup, Anise. Ça me touche énormément. C'est super gentil, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est super gentil. J'adore. Tout ce que tu m'as mis dedans, les découpes sont super belles, tes petits embellissements maison, enfin tout. La carte, elle est magnifique. Avec ce ruban et le fond noir. Franchement, des fois, on n'y pense pas, mais vous voyez, juste un fond noir avec. Voilà, c'est simple, mais c'est efficace et ça rend super bien. Moi, j'adore. Hop, je vais la remettre là, la carte. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet envoi qui me touche énormément. Bon, ben, sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez pris autant de plaisir que moi à regarder ce que Anne-Lise a fait et ses belles découpes, etc., etc. En tout cas, je te remercie encore énormément. Ben, vous, la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.